Commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Makoso jaloux du nouveau chéri de Créole. Coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Entre le pasteur blogueur influenceur Makoso et l'artiste chanteuse Créole, la Gabonaise l'ont soupçonné et continue de soupçonner une relation amoureuse. Car le pasteur ayant fait des pieds et des mains pour trouver des spectacles et des passages télé à Créole en Côte d'Ivoire. Car à une certaine période, Créole s'est réfugié en Côte d'Ivoire histoire de booster un peu sa carrière et elle a filmé sur un plateau de télé comme quoi c'est le général qui lui trouve bien sûr ses spectacles et des passages télé qui a même des featuring que le général est en train d'organiser pour que et la carrière puisse être propulsée. Est-ce qu'il y a vraiment relation entre les deux? Ce qui nous a intrigué, c'est bien sûr une publication qu'a effectuée l'artiste gabonaise Créole. En légende, bien sûr, de cette publication, il y avait cette photo que vous êtes en train de voir, cette photo-là. Et le général est venu en commentaire et a dit « Salut celui qui te prend en photo-là ». Automatiquement, l'artiste gabonaise a répondu « Makoso, c'est ma copine. Makoso Camille, c'est ma copine Andrea Bettini. » Comme quoi, elle est en train de se justifier, comme quoi c'est pas un autre gars qui est en train de la prendre en photo. Est-ce que relation il y a véritablement entre Camille Makoso et Créole? Dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. En tout cas, c'est ça, nous on mange ici, les bérets, les vrais buzz et tout et tout. Et vous voyez, c'est l'information qu'on tenait à partager avec vous. Si vous avez aimé, bon, vous savez ce qu'il y a à faire, likez, partagez, abonnez-vous. A tout à l'heure pour de nouvelles informations. Ciao, ciao, bye bye.